Bon, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire? Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, je vous avais fait des vidéos rangement sur ma chaîne de vlog. C'était vraiment une série de rangements où chaque jour, je rangeais à fond. Je disais que j'avais trouvé des solutions. Et petit à petit, genre, mon appartement se rangeait, je vous avais dit qu'il serait plus jamais en bazar. Bah, j'ai menti. J'ai fait des efforts les premières semaines. Et puis, bah, après, tout est redevenu comme avant et le bazar a repris possession de mon appartement. Je vous regarde pas trop dans les yeux depuis tout à l'heure parce que j'ai honte. Donc aujourd'hui, ben, on se retrouve pour que je re-range. Regardez mon canapé. Coucou. C'est la guerre sur le canapé. Il y a des perruques, il y a mon manteau, il y a les colis que je viens de recevoir. Il va falloir faire un petit rangement de printemps, un petit rangement d'automne. Et puis si ça peut vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul à être complètement bordélique et si ça peut aussi vous motiver à ranger, eh ben c'est tout bénef. Donc on va commencer par le salon. Hein. Voilà, je les ai dit lequel. La mission d'aujourd'hui, c'est de ranger le salon. Mais pas que, parce que sinon ce serait trop facile. Il y a aussi la chambre qui va rentrer en compte. Et là, alors là c'est... Ouais, là c'est un petit peu plus problématique. Hein. Voilà où on en est. Tous mes freins qui sont tombés. Là en plus j'ai fait tomber le portant. Enfin, c'est la grosse galère. Donc on va se mettre à ranger tout ça. Ça c'est les fringues d'été que j'ai mis dans des petites boîtes et tout. Les boîtes se sont renversées parce que les chats ont fait la pyramide là sur les petites boîtes pour rentrer là-dedans. Vous qui pensiez être bordélique maintenant, est-ce que ça vous rassure? On en avait déjà parlé sur la chaîne de vlog, mais en fait notre grand problème à nous, les bordéliques, c'est qu'on ne remet jamais les choses à leur place. Et est-ce que les choses d'ailleurs ont une place? Est-ce qu'on a défini des places à chaque objet? C'est ça aussi la question. En fait, non, moi je crois que non. Vous allez me dire que j'essaie de me trouver des excuses, mais c'est juste que mon appartement il est trop petit pour la quantité d'objets que j'ai chez moi. C'est juste ça le problème. C'est pas moi le problème. Bon allez, c'est parti, on va ranger. Take one last, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in Carmine's with my Benz, ooh, I'm so fancy. I'm so fancy. Yeah. No romance. Got my baby and she ride, she make you. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard et regardez à quoi ressemble la pièce. Voilà, c'est tout rangé, je suis contente. Sauf que là, on est content, on voit ça, on se dit ouais, trop bien. Bon là, il faut juste que je passe l'aspirateur pour virer les poils de ces deux petits monstres là. Mais c'est ça qu'on n'a pas vu. Allez, c'est bon, je m'y mets. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. Je sais pas c'est quoi votre technique de rangement, mais moi quand je range un endroit, bah je refoule d'awa dans un autre endroit. Et là c'est le bazar. Et voilà, tout est rangé, on a la table de rangée, on a le canapé de rangée, on a la petite table basse de rangée, on a mon bureau de rangée. Et je vais commencer du coup à m'attaquer à la chambre. Je crois pas que je vais avoir terminé ce soir, donc je pense que je ferai un petit arrêt après, je vous reprendrai demain, on continuera demain matin. Allez. Donc là pour vous expliquer en fait mon but c'est de vraiment m'occuper de tout ce qu'il y a par terre, genre là tout ça. Ensuite je vais m'occuper de ce qu'il y a sur le bureau et ensuite ce sera d'enlever toutes les vestes du portant, de remettre le portant et ensuite on verra plus tard. Si j'ai le courage. La partie make-up. Et à tous les maniaques qui regardent cette vidéo, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce stress que vous emmagasinez depuis le début de cette vidéo. Je vous promets, à la fin de cette vidéo, tout sera rangé. Dans quoi je m'engage moi encore? Ça, c'est les pyjamas, ça dégage. Léon va avoir un problème. Bah quoi? Léon va avoir un gros problème. Bon, c'est quoi notre problème? On n'a pas assez de boîtes pour tous les vêtements. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire, ma vie? Oh bon, j'en sais rien, moi, c'est ton problème. Tu vas nous trouver une solution? Ouais. Non, non. Ouais, ouais, tu vas trouver une solution. Là, du coup, par terre, on en est là. On a les boîtes qui sont ici. On en a aussi qui sont là. Je vais m'attaquer à ça, là. Et voilà. Sachez que vous êtes actuellement posé sur Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé et que derrière, c'est la guerre. Ils arrêtent pas, là. Ils sont dans mes pattes depuis tout à l'heure. C'est pas le moment. Oh. Là, c'est le moment de dormir ou de ranger, mais pas de faire la guerre. J'ai fermé la porte parce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer à l'appartement. Tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you. But I'm... Bon bah voilà pour le bureau, du coup tout est dans des boîtes. Donc bah je vais vous montrer.
Ça va être plus simple. Tout est dans des boîtes. Il n'y a plus rien là sur les ordi, machin, nana. On est plutôt pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là et reprendre demain. Merci. Je vais aller me boire un petit café devant une petite série et ensuite je vais aller me coucher et je reprendrai demain. Déjà l'autre pièce elle est toute rangée donc ça c'est trop trop cool. Regardez comment c'est tout rangé. Tout mon canapé, tout ça là-bas, tout ça c'est rangé. Oh je suis contente. Il n'y aura plus qu'à s'occuper de cette pièce là. Moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et puis bah, la magie du montage fait que là le demain ça va être le juste après. Donc je vous dis bye bye mais je vous retrouve tout de suite. Attention magie du montage, 1, 2, 3, on va être demain. Bah coucou vous, bah dis donc. Bah on est déjà le matin. Et puis bah on va y retourner. J'ai pas du tout envie de ranger ma chambre hein, je vous le dis clairement, ça me saoule. Je termine ça et on y retourne. Et je vais vous reposer sur le prince de sang mêlé. Vous êtes très bien ici, c'est une très bonne place. Et puis bah écoutez, on va commencer. C'est parti. C'est bon, j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger dans des boîtes. C'est le chantier un peu. J'aurais jamais assez de place en fait là-dedans pour mettre mes boîtes. Du coup, je vais les mettre dans le petit coin qui est là et je vais les superposer en espérant que les chats aillent pas dessus. Où je vais bien les stabiliser parce que bah, la dernière fois, ils sont montés sur tout, tout est tombé. Et ça a fait un carnage. Là, sur le lit, il y a pas mal de trucs, mais ça va être des trucs qui vont être faciles à virer. Donc c'est parti, je vais commencer l'empilement des petites boîtes. Donc là, je viens d'ouvrir en grand l'armoire et j'ai plus qu'à enlever tout ça petit à petit. Tu m'aides, Léo ? Oh bon, non, la flemme ! Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat ? 1, 2, 3. Voilà. À quoi ça ressemble? Je suis trop contente, ça y est, ça s'est rangé. Je m'attaque au lit. Oh non, j'ai la place de me mettre là, et puis de me mettre là, et puis là, et puis là, puis là, puis là, et puis là. Oh non, c'est génial! Bah le lit c'est fait, ça, ça va passer directement à la machine. Et... Ah oh là là là. T'es méchant, Mowgli. J'ai vu comment t'as attaqué Léo, hein. T'es pas très sympa. Ça, c'est quand il sait qu'il a fait une bêtise et que je le dispute. Il se roule, il fait le mignon. Arrête. Arrête d'embêter ton frère. Des fois, il y a Mowgli, il embête tellement Léo qu'il lui feu le dessus et j'aime pas les voir comme ça, genre il hurle. C'est pas cocooning. Bref, après ce petit moment d'autorité, bah, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà pour la chambre, je suis contente. Puis la pièce d'hier aussi, qui est toujours rangée, hein, ça n'a pas bougé depuis hier soir. Je suis plutôt contente, donc je termine ça et puis bah, je vous reprends juste après. Je suis contente. Là, vous allez vous dire que c'est le bordel, mais en fait, c'est un bordel organisé. C'est plein de choses qui sont rangées selon leur utilité et dans des boîtes encore, parce que moi, je suis passion boîte. Puis bah, là, on va ranger ça. Need no apologies, cause that's don't really care what you think, what you think, what you think. Bon bah comme vous pouvez le constater, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas vraiment le rangement de ma vie parce qu'il y a encore des trucs à trier. Mais je pense que c'est nul de le faire maintenant. Je vais attendre d'avoir la maison pour avoir la place de pouvoir vraiment tout étaler et tout trier. En tout cas là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer une vue d'ensemble de tout l'appartement et vous allez pouvoir constater les changements. Donc voilà à quoi ressemble la chambre. J'ai plus qu'à passer un petit coup d'aspirateur. Lâche-moi. Et puis bah virer le sac poubelle. Et voilà, après ce sera bon pour de bon. Je suis super contente. Donc voilà, on va arrêter la vidéo. J'espère que cette petite séance de rangement vous aura fait du bien, que ça a été satisfaisant de voir tout ça se ranger, que les maniaques ne seront pas tombés dans les pommes ou je ne sais quoi, ou j'aurais pas tué tous les maniaques de cette planète, parce que je pense que c'était compliqué au début. Et c'est horrible parce que je me dis que là j'ai dû mettre genre 5 heures à faire tout ça, alors qu'il aurait fallu que de 2 minutes par jour pour que ça soit pas le bordel comme ça. C'est des automatismes à prendre. En fait je me dis que ce serait peut-être pas mal de la mettre un papier comme ça
et mettre ferme s'il te plaît. Et là par exemple, je pourrais mettre pareil une feuille à côté du canapé où je mets fais le canapé s'il te plaît. Là je mettrai une petite feuille range ton bureau s'il te plaît. Là je mettrai une petite feuille nourris-moi s'il te plaît. Bon bah ça, il n'y a pas de danger que j'oublie parce que le matin vous me le rappelez, hein. Bon, on est plutôt pas mal là. Je vais vous laisser, je vais profiter de mon petit intérieur rangé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été satisfaisante et qu'elle aura pu rassurer les bordéliques. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et puis bah comme d'hab, moi je vais faire de mon mieux pour garder tout ça rangé. Je croise les doigts pour que je n'oublie jamais cette phrase que je viens de dire. En tout cas, moi je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis ben, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. De toute façon, les vidéos de ce type, elles sont pas terminées parce que quand je vais avoir le déménagement, ben, je pense que je vais vous en montrer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéos parce que je fais plein de vidéos variées dont ce genre de vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut! Enfin! À bientôt les copains!